Nous rêvons tous d'avoir une maison de plus en plus intelligente, et c'est ce que nous proposent au quotidien les produits d'Amazon. Pour beaucoup d'entre nous, la télé occupe une place importante dans notre foyer, mais nous n'avons pas tous la chance d'avoir une télé connectée, une Smart TV. Et c'est dans cette optique qu'a été créée la gamme Fire TV Stick d'Amazon. Aujourd'hui, on va parler du Fire TV Stick le plus puissant de la gamme, le Fire TV Stick 4K Max. J'ai un certain historique avec ces produits parce que j'avais acheté le premier qui était sorti en France en 2017. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer à quoi sert un Fire TV Stick et surtout quelles sont les nouveautés et les performances de ce Fire TV Stick 4K Max. D'autant plus que Noël approche et que ce produit est une très bonne idée de cadeau. C'est parti! Je vous le disais en introduction, j'ai un sacré historique avec la gamme Fire Stick et un sacré historique avec pratiquement tous les produits Amazon Device. J'avais commandé le premier Fire Stick disponible en France lors de sa sortie en 2017. C'était le Fire Stick Basic Edition. A l'époque, je n'avais pas de télé connectée et je n'avais même pas de télé 4K. Donc la question de est-ce que la version 4K était disponible ne me venait même pas à la tête. Ce que je recherchais principalement avec l'achat du Fire Stick Basic Edition à l'époque, c'était vraiment de pouvoir connecter ma télé à des services de streaming et tout ça avec une interface simple d'utilisation. Aujourd'hui encore, avant d'être passé sur le 4K Max, j'utilise toujours ce petit dongle qui est sorti en 2017. Mais à quoi sert vraiment un Fire TV Stick, que ce soit un ancien, un nouveau? Cette petite clé HDMI, une fois branchée à votre télé, va lui donner une nouvelle jeunesse, une nouvelle vie. Vous aurez directement sur votre télé tout ce dont vous avez besoin. Des milliers de films, des milliers d'épisodes de séries s'offrent à vous. Vous pourrez profiter directement sur votre télé et à l'aide de la petite télécommande, vos contenus préférés sur Prime Video, Netflix, Disney+, Apple TV et bien plus. Au-delà du streaming de films et de séries, vous allez pouvoir même aller sur du streaming musical, avec la possibilité d'avoir des services comme Amazon Music et Spotify. Puis, au-delà de la musique, vous allez pouvoir regarder directement la télé. Plus besoin d'un câble antenne à tirer, brancher à votre télé, seulement avec un Fire TV Stick et le Wi-Fi, vous allez pouvoir accéder à la télévision en direct via Molotov, Arte ou France 24. Et au-delà de ça, vous pourrez simplement aussi aller chiller sur YouTube. Ça, c'est la thématique principale de la gamme Fire TV Stick. Mais vous allez voir qu'avec le nouveau modèle Fire TV 4K Max, on peut aller encore plus loin. Je vais vous expliquer pourquoi. Qu'en est-il alors du Fire TV Stick 4K Max? Tout d'abord, au niveau du design, on garde le même état d'esprit que le premier sorti en 2017. On reste sur une clé qui va se brancher sur le port HDMI de façon compacte, simple, efficace. Une fois branché sur le port HDMI, il suffira de l'alimenter soit en la branchant sur une prise électrique, soit en la branchant sur un port USB de votre télé. L'installation est facile, tout est bien pensé. Par exemple, si votre télé ou votre port HDMI est difficile d'accès, vous aurez même un petit plugin en plus à mettre flexible pour pouvoir brancher le stick de façon facile. Et on va le voir après dans l'utilisation, cette thématique de faire simple et efficace se retrouve jusqu'à l'interface du Fire TV Stick. Pour parler un peu plus du 4K Max, je vous le disais en introduction, ça va être le stick le plus puissant d'Amazon. Vous allez pouvoir vous plonger dans des divertissements en 4K Ultra HD grâce au nouveau processeur quadricore d'1,8 GHz et profiter d'une expérience 40% plus puissante que par rapport à un TV Stick 4K de base. Le lancement des applications sera donc plus rapide, la navigation plus fluide, ce qui rendra encore plus confortable le switch d'une application à l'autre et la recherche de contenu. Il va aussi prendre en charge des technologies comme Dolby Vision, HDR10, HDR10+, et l'audio Dolby Atmos immersif. En gros, dans ce petit stick, il y a toutes les technologies audiovisuelles qu'on peut retrouver sur le marché actuel. Ça, c'est ce qui va envoyer et permettre à votre télé. Mais les améliorations ne s'arrêtent pas là, car oui, le Fire TV Stick 4K Max va aussi prendre en charge le Wi-Fi 6. Ça vous permettra de profiter d'une expérience encore plus fluide dans le streaming. Là, on évoque les améliorations au niveau des caractéristiques techniques, mais même au niveau de la prise en main, on a une nouvelle télécommande. Vous voyez, l'amélioration au niveau des télécommandes, ça, on la voit directement depuis celle de 2017. Sur cette nouvelle télécommande, on voit apercevoir un bouton de contrôle vocal via Alexa. Il suffira simplement d'appuyer sur le bouton et de lancer une demande à la voix. Vous pourrez lui demander d'accéder à Prime Video, Netflix, tout ça en ayant seulement touché un seul bouton. Puis, sur cette nouvelle télécommande, on aura accès à du contenu encore plus rapide grâce à des raccourcis. Et au-delà de ça, on aura même la possibilité de baisser le volume
de la télé ou alors de l'éteindre et de l'allumer. Oui, le bouton marche, arrêt et le bouton volume permettent de contrôler directement la télé ou la barre de son si bien entendu votre produit est compatible. Et ça, c'est plutôt pratique parce que on va pouvoir simplement avoir une télécommande pour tout gérer. Toujours dans une thématique de maison connectée, on va pouvoir aller encore plus loin, oui, encore plus loin. Car de nouvelles skills Alexa sont ajoutées sur ce Fire TV Stick. Il sera par exemple possible de demander à Alexa de faire des choses comme accéder à un flux de caméras de surveillance sans interrompre le programme. Et Amazon travaille aussi sur une connexion entre le Fire Stick et des appareils Echo pour un son immersif, style home cinéma. C'est donc ça qui est proposé avec le 4K Max, le stick le plus puissant et le plus intelligent sur le marché. Autre point très important dans la conception de ce stick, c'est la consonance éco-responsable. Car oui, le Fire Stick TV 4K Max est composé de 50% de plastique provenant de plastique recyclé post-consommation, 20% pour la télécommande. Et au-delà de sa conception matérielle, l'appareil aura un mode basse consommation d'énergie. Lorsqu'il sera inactif, il switchera pour réduire l'impact sur l'utilisation électrique. Voilà les amis, vous savez tout sur le Fire TV Stick 4K Max. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me les poser en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, vive Info, vive High Tech, divertissez-vous bien, merci et à bientôt sur ma chaîne.